Bienvenue. Tu as un petit problème sur The Saboteur? Tu aimerais voir ton jeu favori en langue française et potentiellement mettre ton jeu à la bonne taille de ton écran? Tu es sur la bonne vidéo. On se retrouve sur mon bureau. Alors, dans un premier temps, vous ouvrez Steam. Voilà. Vous allez dans Bibliothèque, The Saboteur. Arrivé ici, vous allez sur Gérer, Propriété, Fichier installé, Parcourir. Arrivé ici, on sélectionne le fichier Sound. Désolé pour mon anglais. Donc là, on peut voir, hop, un pack de langues en anglais et un pack de langues en français. Donc, là, je vous conseille de faire un dossier. Hop. Moi, je l'ai déjà fait. Il est juste ici. Donc, je vais le... Hop, je vais le coller. Donc, j'ai marqué PCK English Original. Dans ce dossier, je vous conseille de faire un petit fichier bloc-notes. Pourquoi ? Pour noter ça. French, Canada, nom du fichier FR Original. Alors, c'est juste le titre de ce dossier-là. Vaut mieux prendre des précautions et garder le nom original du dossier. Ce qu'on va faire, c'est couper le fichier English US, le mettre dans le fichier qu'on a créé. À ce moment-là, vous copiez le titre English US et vous remplacez French Canada par le titre en US. Voilà, tout simple, il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, vous pouvez fermer, lancer le jeu. Vous cherchez quelque chose ? Ah, je vois que t'es plutôt du genre à mourir debout qu'à vivre à genoux. Vous pouvez voir que vous n'avez pas besoin de patch FR ou quoi que ce soit d'autre. Faites simplement la manipulation que j'ai faite précédemment dans la vidéo et votre jeu sera en français. Vous allez dans Documents, puis dans My Game, The Saboteur, Save Game, Config.ini. Arrivé ici, ce qui nous intéresse, c'est ces deux lignes ici, qui correspondent là à l'écran que j'ai, 1920 par 1080p. En dessous ici, normalement, moi je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi, mais vous aurez la taille des écrans et les hertz maximales pour chaque taille. Donc là en l'occurrence, moi c'est 1920 par 1080p, le maximum je le sais, parce que je l'avais vu, maintenant ça y est plus, je ne sais pas pourquoi. Mais le maximum c'est 50 Hz. Et voilà, c'est tout, rien de plus simple. J'espère que je t'aurai un tant soit peu aidé à apprécier un peu plus à sa juste valeur The Saboteur. En attendant, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, à mettre bien entendu un petit pouce bleu, à y aller de ton petit commentaire. Je suis là, je lis tout, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, je suis en stream du mardi au dimanche. Les horaires, il suffit d'être abonné et d'activer la petite cloche de notification. Vous aurez tout, vous serez averti à chaque moment où je live. Sur ce, je vous souhaite très bonne journée, très bonne soirée. À la revoyure.